Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire voir comment faire des soins des gestes d'urgence à un furet. Donc hop, je vous présente Pépito. Pépito, il est arrivé au refuge il y a quelques jours. Il était plein de blessures qui avaient infecté. Donc voilà, on en voit encore un peu. Donc voilà, il faut désinfecter, donner les médicaments et puis bien sûr qu'il reprenne du poids de l'eau. Donc pour désinfecter les plaies, j'utilise de la bisepstine, de l'eau oxygénée ou de la bétadine et lingette. Donc ça c'est une lingette lavable. Vous pouvez utiliser bien sûr des compresses, surtout pas de coton puisque ça risque d'accrocher sur ses poils ou sur sa peau. Donc toujours bien des compresses. Voilà, donc j'humidifie bien la compresse et puis je vais lui appliquer après sur les poils en tamponnant. Hop là, donc je ne reprends pas la peau du cou qui se calme bien et que je puisse travailler tranquillement pour que ce soit bien désinfecté, parce que ça plaît et encore pas très joli. Voilà. Donc ne jamais frotter pour ne pas irriter davantage la peau. Bien tamponner. Hop. Donc il a une autre petite plaie ici. Comme il est sage, il a droit à une friandise. Oh, d'une frigelle. Donc ça, tous les animaux adorent, hein. Un chat, chien et furet. Les furets en sont vraiment fans. Et avec un tube de Nutrigel, vous pouvez faire n'importe quel examen. On fait des échographies, des radios avec, sans aucun souci. C'est très rare qu'un furet n'aime pas ça.